L'enquête sur le vol de la Porsche se résout, notamment grâce à la clairvoyance de Florent. Le cabinet en récolte les fruits. Bien qu'opposé à Johanna dans ce dossier, Guillaume est fier de sa nièce. Une autre affaire occupe déjà les esprits au commissariat. Alex informe Becker du plan de Jade pour cambrioler un supermarché. Lorsque Jade finit par comprendre qu'Alex est flic et que Sophie lui a caché cette information, les deux amis se disputent et Sophie, fâchée contre Alex, rompt avec lui. Becker interprète les propos répétés de Janet sur le mariage comme une perche tendue pour qu'ils concrétisent leur union. En réalité, Janet a d'autres préoccupations et ne sait comment en parler avec son homme. De son côté, Elisabeth annonce à Claire et Myriam qu'elle part officiellement en voyage d'affaires en Amérique latine. Elle s'y rend officieusement dans le but de voir Julien et Arthur. De Montpellier à Rochefort au casting des mystères de l'école de la gendarmerie, samedi 25 septembre sur France 3, Frédéric Van den Driesche, Alain Alphand, joue le beau-père de fiction de Sarah Mortensen, qui se débat avec une révélation troublante pour son couple.